Bon, je m'appelle Schmidt Chantal, j'habite à Charleroi, je suis concierge de 4 buildings, très très grands, très énormes, plus je suis maman de 3 enfants et qui m'ont donné eux des petits-enfants. Et voilà, j'aurai 57 ans la semaine prochaine et sans le matelas, croyez-moi, j'y serais pas arrivée. Je souffre de fibromyalgie depuis maintenant une dizaine d'années et ça fait 4 ans plus ou moins qu'on a découvert de quoi je souffrais. Et avec ma fibromyalgie, j'étais fort handicapée, très mal par jour, par des moments, c'était terrible, douloureux. Une heure devenait 1h30, puis à la fin, au lieu de faire 5 heures, j'en faisais 7 parce que je n'avançais plus avec les douleurs que j'avais dans les jambes et dans le dos. C'était très handicapant parce qu'il fallait prendre des sauts, les monter sur les paliers, savonner les escaliers, faire un travail, un boulot de concierge et qui devenait dur, mais vraiment pénible. Hein. J'en pleurais parce que j'étais vraiment épuisée. 5 heures, comme j'ai dit, ça me faisait 7 heures parce que je travaillais au ralenti de plus en plus. Et une fois que j'ai eu le matelas, ben je l'ai essayé. Et depuis le mois de mars que je l'ai, j'ai arrivé à couper la morphine. Je ne prends plus de morphine. Et je vais sur mon matelas le matin. Je fais ma petite séance et puis je vais travailler. Et ce matelas, il m'a sauvé la vie. Ma chef comprend que ma fibromyalgie était devenue handicapante. Et alors, quand je lui disais que je m'arrêtais à un quart d'heure, une demi-heure, elle savait bien que je reprenais la demi-heure que j'avais arrêtée. Quoi. Et puis, quand le matelas est arrivé, là, c'était le bon Dieu qui est arrivé dans l'appartement. Bien voilà, ici c'est ma pièce de relaxation. C'est mon petit bien-être. Je me mets sur mon matelas. Programme 15 pour ma fibromyalgie, puis le 3. Et alors là, j'ai ma lecture pour passer mon temps et ma radio où j'ai de la musique zen pour me relaxer encore mieux. Je ne regrette pas l'achat du matelas. Au contraire, si j'avais pu connaître ce matelas encore un an plus tôt, j'aurais déjà acheté le matelas à cette époque-là.